Dans cette capsule, je te propose de voir comment tu peux réaliser des conversions de volume sans te tromper. Si tu as déjà compris pour les conversions de masse, tu verras, il n'y a pas beaucoup de différence. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Pour réaliser des conversions de volume, la première chose à connaître, c'est bien sûr le tableau. Tu dois pouvoir tracer ce tableau sur un brouillon. Il est un peu différent de celui que tu connais pour les masses, mais si tu regardes bien la seconde ligne, elle rappelle un petit peu ce que tu connais déjà, puisqu'on retrouve des unités telles que l'hectolitre, le décalitre, le litre, le décilitre, le centilitre et le millilitre. Tu remarqueras cependant que la colonne kilolitre n'existe pas. Ce tableau présente en plus une ligne supplémentaire. En effet, les volumes peuvent s'exprimer dans une autre famille d'unités, celle du mètre cube. On trouve donc le mètre cube, le décimètre cube et le centimètre cube. Comme tu l'as vu en mathématiques, cette famille a la particularité de regrouper trois colonnes à chaque fois. C'est pourquoi le décimètre cube englobe l'hectolitre, le décalitre et le litre. Quant au centimètre cube, il regroupe le décilitre, le centilitre et le millilitre. Pour t'en souvenir, il faut te rappeler de ce que nous avons vu en classe. 1 litre, c'est la même chose que 1 décimètre cube et 1 millilitre, c'est la même chose que 1 centimètre cube. Et bien entendu, ce tableau est à connaître par cœur. Lorsque tu connais parfaitement ton tableau, il te reste à placer correctement le nombre dedans. Voyons quelques exemples. Je veux convertir 5 litres en millilitres. C'est une conversion assez simple. Comme pour les masses, je repère l'unité de départ dans mon nombre et dans mon tableau. Je place ensuite le chiffre dans la colonne correspondante. Puis je repère l'unité dans laquelle je veux convertir, ici le millilitre, dans le tableau. Et comme je n'ai plus de chiffre à placer, je vais ajouter des zéros jusqu'à la colonne des millilitres. J'ai donc 5 litres égale 5000 millilitres. Voyons maintenant le cas d'une conversion avec un nombre qui contient deux chiffres. Comme précédemment, je commence toujours par repérer l'unité de départ dans le nombre et dans le tableau, puis je vais devoir placer le chiffre. Retiens ceci, on place toujours le chiffre de l'unité en premier. Pour un nombre entier comme 35, c'est le dernier chiffre. Donc ici, le 5 sera placé dans les décilitres et je placerai donc le 3 dans la colonne des litres. Je repère ensuite l'unité dans laquelle je veux convertir, ici le centilitre, que je repère dans le tableau et j'ajoute un 0. 35 décilitres est donc égal à 350 centilitres. Voyons maintenant le cas où je n'ai pas un nombre entier mais un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule. On commence toujours de la même façon, je repère l'unité de départ dans mon nombre, dans mon tableau. Puis je vais placer le chiffre des unités dans la colonne des litres. Ici, avec un nombre décimal, le chiffre des unités est celui qui se trouve juste devant la virgule. Donc dans 12,3, le chiffre des unités, c'est le 2. Je place ensuite les autres chiffres sans m'occuper de la virgule. Ensuite, je repère l'unité dans laquelle je veux convertir et comme précédemment, j'ajoute des zéros. 12,3 litres est donc égal à 12 300 millilitres. De figure, on me demande parfois de convertir mais dans les deux systèmes d'unités. Par exemple, je dois convertir 12 décalitres en décimètres cubes. Ce n'est pas bien plus compliqué. Je repère l'unité de départ, le décalitre. Je place mon nombre dans le tableau. C'est un nombre entier. Le 2 est donc le chiffre de l'unité. Je place le 1 dans la colonne précédente. Je repère ensuite l'unité dans laquelle je dois convertir, le décimètre cube. Le décimètre cube regroupe les trois colonnes, mais il te suffit de retenir que 1 décimètre cube, c'est la même chose que 1 litre. Je place donc un 0 dans la colonne des litres et 12 décalitres est égal à 120 décimètres cubes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à bien comprendre. Maintenant, il n'y a pas de secret, pour réussir les conversions, il faut s'entraîner. Alors, bon travail!